Toi qui as sorti le 25 avril 2019 un épisode Minute Papillon sur la religion, que penses-tu réellement des religions? On va vraiment faire tous les sujets polémiques, c'est cool. Bah, tu les as traités oui, déjà oui, oui, traités oui, sur c'est ta vrai, chaîne, c'est donc vrai. en soi. Même s'il y avait peut-être certaines maladresses, ma vidéo représente à peu près ce que je pense. À savoir que je crois que, même si la religion a beaucoup nui, et nuit encore pour certaines religions dans certains pays, tout ça, ça c'est indéniable. Mais je crois que le fait de croire en Dieu, de croire en quelque chose au-dessus, ça aide énormément de gens. Comme je dis, alors moi je le disais très mal, je disais c'est une canne. Pour certaines personnes, ont besoin de cette canne pour avancer. Et donc certains ont dit, ouais, mais On n'est pas des handicapés. non, c'est validiste, tu vois. Tu vois, mais on peut plus rien dire en fait, tu vois. Non, mais c'est vrai. Elle est bien cette phrase, vous pouvez me le mettre en gif, on peut plus rien dire. Non, mais je veux dire, oui, j'aurais peut-être dû trouver mieux, mais moi, j'ai pas trouvé mieux là, comme ça. Je me suis dit que c'était bien, c'était ça, c'était que pour certains, ont besoin de la religion pour avancer correctement. Et en parallèle. Quelque chose qui est réel, c'est que on est le continent qui a le plus de suicides, parce que on est aussi le continent où les gens croient le moins en la religion. Ah, tu penses que ça aide? Et pour les antidépresseurs, pour tout ça et tout. Bah, une des principales questions qu'on se pose, et j'ai pas mal de connaissances qui sont dans ce cas-là, c'est, enfin, il y a des gens qui peuvent pas se détacher du « mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre, tu vois, mais pourquoi vivre quand on va mourir, tu vois? » Et bah, y a un livre qui s'appelle comme ça, « À quoi ça sert de vivre quand tu vas mourir ?» Livre qui est plus. Enfin, tu peux plus le trouver tellement il s'est vendu. C'est que les gens se posent la question et ont besoin d'une réponse. Et la religion, ça permet de te mettre cette question de côté et de vivre. Tu vois, alors, moi, je ne crois pas en Dieu. Peut-être qu'il existe. Voilà, je crois pas qu'il n'existe pas, mais je crois pas qu'il existe non plus. Je suis agnostique. Mais en fait, ça a pas vraiment d'incidence dans ma vie. Mais les gens qui croient en Dieu. C'est bien, je pense que c'est bien pour eux, pour beaucoup. Alors évidemment, bah, on est encore pareil, il y a des extrémistes dans les croyants. Mais en l'occurrence, j'ai aussi beaucoup de mal avec bah, les athées qui dénigrent totalement tous ceux qui croient en Dieu.